Salut Sean. Salut papa. Eh bien salut tout le monde, c'est Best of War. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre Let's Play sur Heavy Rain. Alors le premier épisode était déjà très chargé en émotions. Écoutez, ça démarre très fort, donc je vais vous résumer à peu près le premier épisode. Si vous regardez le 2, logiquement, bah, c'est que vous avez regardé le premier, hein, si on reste logique. Il a deux enfants. Donc il a deux enfants, Sean et Jason, le premier étant décédé dans un accident de voiture, justement dans le premier épisode. Alors, déjà, vous voyez, je vous l'ai dit, ça a commencé très fort, donc là on voit que Sean, le deuxième enfant, n'a pas l'air très bien. Avant ils avaient la joie de vivre, les deux frères, ils jouaient tout le temps ensemble. David Cage, ce mec est un putain d'artiste. Sérieusement, ce mec est un putain d'artiste. Alors, je disais, ils avaient la joie de vivre, les deux enfants, ils jouaient ensemble avec le père et tout, c'était vraiment chouette dans le premier épisode. Puis d'un coup, le monde est tombé en miettes. Son monde autour de lui est tombé vraiment en morceaux, réduit à néant. Il n'y a plus rien. Il habitait une belle maison, il était architecte, voilà dans quoi il habite. Un taudis. Ouais, la vie a vraiment changé. Honnêtement, sa vie a vraiment changé. Je pense que, si je me rappelle bien, il n'est même plus en couple, donc avec la mère de ses enfants. Donc voilà, sa vie a vraiment très mal tourné et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il menait une vie vraiment chouette, paisible, de famille vraiment agréable. Et voilà, son monde est tombé en pièces et il a même pas une table convenable, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Son monde s'est vraiment écroulé. C'est l'heure du goûter. Est-ce que tu as faim? Ouais, un peu. Je vais voir ce que je trouve dans la cuisine. Faire à manger alors. Grace, sa femme s'appelle Grace. Je vais me le voir dans les trucs. On va prendre une bière, mais ça c'est pour nous, c'est pas pour le gamin. J'ai du mal avec boire les trucs, hein. J'ai du mal à lui faire boire des machins. Je galère un petit peu, mais ça va aller. Encore un peu? Pas trop, hein, parce qu'il y a un enfant, on va pas non plus bourrer la gueule. Non, c'est bon, t'as assez, je crois, là. Oh non, t'as assez, c'est bon. On va pas abuser. Qu'est-ce qu'on peut lui faire à manger au gamin? Oh bah je vais lui donner une mandarine, c'est tout ce que j'ai. Tiens Sean, voilà ton goûter. Merci papa. Ah c'est pas une mandarine, c'est on dirait un genre de pomme, enfin c'est un truc dans le genre. Alors goûter, devoir, dîner... Ah oui d'accord. À 18h les devoirs, à 19h le dîner, puis à 20h le coucher. 18h les devoirs, il y a l'heure là je crois. Ça va, j'ai encore un petit peu de temps devant moi. On va bien respecter ça alors. Je vais aller voir quand même à l'arrière de la maison. Enfin si on peut appeler ça une maison. Ah ouais c'est dramatique. Oh là là. Un architecte avec une belle maison, une belle famille. Et tout qui s'écroule. Vous voyez, comme quoi on n'est pas à l'abri de quelque chose, hein. Il peut nous arriver n'importe quoi, n'importe quand, hein. Que ce soit vous ou moi. Donc c'est ça qui est dingue. Et ça c'est vraiment... Là c'est vraiment la vraie vie. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Enfin, ça dépend pour qui, hein, bien évidemment, mais...
malheureusement, il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive. Et voilà. Mais je le souhaite à personne parce que c'est vrai que ça doit être assez horrible. Alors, on va aller checker en haut. Tiens, il y a des trucs là. Hein? Tueur origami, une 7e victime identifiée, la police a confirmé que le mode opératoire était bien celui du tueur aux origami. Oula, ça a pas l'air de te plaire. Donc je suppose, oui, je me rappelle un petit peu. Donc sur la couverture, vous avez un origami, c'est un peu l'emblème de Heavy Rain. Donc c'est une espèce de une cigogne, je crois que c'est une cigogne. Enfin voilà. Décidément, ils ont un truc avec les toilettes, hein, Quantic Dreams. Alors. Quand je vous dis, ouais, je me rappelle, c'est rare parce que. Je vous l'ai déjà dit, j'ai suivi le let's play avec PewDiePie, et le truc, c'est... Je l'ai suivi vraiment à fond, mais je me rappelle plus vraiment très bien parce que j'ai suivi beaucoup de let's play de PewDiePie, en général. Et donc voilà. Ah, on a gardé le Tipeee par contre. Ah, il fait des dessins. Bon, on va analyser ce qu'il pense avec ses dessins alors. Ouais, voilà. Vous l'avez vu sur le dessin. Hein. Son frère par terre devant une voiture. Avec du sang en dessous. Une ambulance. Ouais, bah voilà. C'est bien ce que je pensais. Son frère ne. N'admet pas de. Que son frère soit parti en fait. Et je peux tout à fait le concevoir. Et ouais. Je vais allumer la lumière pour quand il montrera dans sa chambre. Bon, je pense que là il doit être l'heure du goûter, de devoir, non? 18h. Sean, tu vas faire tes devoirs s'il te plaît. Vite checker l'heure. Oh bah c'est nickel ça c'est calculé. Triangle. Sean n'a pas encore fait ses devoirs. Ah bah tu vas aller les faire sale gosse. Sean, tu veux faire tes devoirs maintenant? S'il te plaît papa, je pourrais encore regarder un peu la télé. On les fera plus tard, d'accord? Il vaut mieux s'y mettre maintenant. Comme ça, ça sera fait. Va chercher ton cartable et installe-toi dans la cuisine. Je vais venir t'aider. Allez, Sean. Despêchez-vous, comme on dit. Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'allumes la lumière. Ah, ouais, pas con. Excuse-moi, vas-y, passe. Ah alors, t'as quoi à faire? Oh, ah, excuse-moi Sean, je t'abandonne. Non, non, je vais t'aider. Ça a l'air d'aller, hein. Je vais peut-être aller à côté de lui. Peut-être qu'il va solliciter mon aide. Honnêtement, ça a l'air d'aller. Alors, à 19h, le dîner. Bon, on va tout doucement préparer le dîner quand même. Si c'est à 19h. Bon, ça va, c'est dans une demi-heure, posé. On va regarder ce qu'il fait. Tu galères, Sean? Terminé. Je peux aller regarder la télé? Laisse-moi vérifier quand même. Laisse-moi jeter un œil. C'est bien. On dirait que tu as terminé. Tu peux y aller. Ça lui aura pas pris très longtemps, cette voix. Hein. Allez, range tes affaires. Et tu peux aller regarder la télé. Brave gamin.
le fils que j'aimerais avoir. Ça, c'est ton brave John. Mi, je te le dis. C'est ton brave John. Bon. Alors, dans un quart d'heure, c'est le dîner. Putain, mais je vais faire quoi à manger, moi? On va commander des pizzas, quoi. Je sais absolument pas quoi faire à manger, moi. Oh, je suis pas cuistot, moi. Hein. Je suis gamer. C'est l'heure de dîner. Je devrais préparer quelque chose pour Sean. Oui, mais quoi? On peut essayer d'aller dans le frigo? C'est possible. Grace a la garde de Sean ce week-end. Je crois qu'il est impatient de retourner chez sa mère. Effectivement. Il a l'air. Bon, tu veux manger? Bon. Tu veux qu'on parle un peu? Parler de quoi? Je ne sais pas, de toi, de tes copains. Comment ça va? Rien de spécial. Je vais peut-être lui proposer de manger. Est-ce que tu veux que je te prépare à dîner? Je veux bien, je commence à avoir très faim. Bon, je vais voir ce que je peux te préparer. Je t'appelle quand c'est prêt. Alors, je vois du poulet ou une pizza. Moi, personnellement, je préférerais une pizza. Je vais mettre la pizza. Je fais en fonction de mes coups. Hein, Bon. Alors, on va le faire chauffer au micro-ondes. Combien? Oh, ça fera ding. Oh putain, ça a été vite. J'allais dire ça fera ding quand ça sera fini, mais... Ça a l'air chaud. Allez, on va couper cette pizza. Ça me donne envie, putain. Bordel! Oh, la pâte est verte. Je crois qu'elle est pourrie, ta pizza. Oh lol, il mange qu'un morceau, le pauvre. Le repas est prêt. J'arrive! Maintenant! Merci. Ah, il a laissé quelque chose. Il a laissé quelque chose? Oui, c'est un jouet. Bon, c'est pas très important. En fait, genre, je m'occupe que de lui, quoi. Oh, mais t'as que ça à faire, sérieux. Non, non, on joue pas avec la nourriture. Mais enfin! Je vais m'asseoir à côté de lui, autant qu'il mange. C'est ça qui est génial, c'est que vraiment, vous voyez ce qu'il ressent dans le visage, dans le regard, et c'est ça qui est vraiment super intéressant. Et il a plus faim, le gamin. Avec une part de pizza, t'as assez, toi. Ah purée, moi je bouffe la pizza, mon gars. T'es pas un grand gourmand, hein, Sean. Aïe, aïe, aïe. Il a pas mangé beaucoup, c'est bizarre. Oh bah il va être 20h, hein. Je vais vite regarder ce qui se passe dehors. Il drache, génial. Quel jardin pourri. Oh là là, il est vraiment dans la misère. Hein. Je suis content quand je vois ma maison à côté de ça, sérieusement. Je vais apprendre à plus me plaindre, je crois. Ouais, sérieusement. Bon. Ouais, il va être l'heure, là. Je vais vite lui poser une ou deux questions, et puis au dodo. Comment ça se passe à l'école? Est-ce que ta maîtresse est sympa? Tout va bien, papa. Il en a marre, super papa. Ça te dirait qu'on joue à quelque chose ensemble? Je préfère regarder la télévision. Mais quelle humeur! Allez, Sean, c'est l'heure d'aller au lit. Je suis pas encore fatigué. Est-ce que je pourrais rester encore un peu? Tu vas au lit.
Ce ne serait pas raisonnable, Sean. Tu as école demain. Il faut que tu ailles te coucher. D'accord, j'y vais. Tu viens avec moi ? Brosse-toi les dents et mets-toi en pyjama. Et je te rejoins. Allez, vas-y. Je vais éteindre la télé. Un petit peu de lumière là. Je vais m'asseoir après. Attendez. Ça manque de lumière dans cette maison là. Oh. C'est personnel. Oula. Au son de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Les enfants, il n'y avait plus de trace des enfants et personne ne sait ce qu'il en est advenu. En gros, ça veut dire que... Ouais, c'est compliqué. Mais ta lettre est bizarre, je te conseillerais de te méfier, mon gars. Capitaine Papa. Il est au lit. Bonne nuit, Sean. Mon nounours ! J'ai pas mon nounours, papa ! Tu l'as sûrement laissé quelque part dans la maison. Tu n'as pas une idée où il peut être ? Non, papa. S'il te plaît, je peux pas dormir sans lui. Je vais aller jeter un coup d'œil dans la maison pour voir si je trouve, ok ? Sale gamin. Bon, aux toilettes, c'est pas la peine. Peut-être dans ma chambre. Mettre un petit peu de musique. Je vais pas aller dormir maintenant. Je mets juste un petit peu de musique. Y a rien. Il est pas là-dedans. Bon, il est où ton doudou? Et une camionnette blanche. Oula, 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 attends, ça commence à me faire peur. Non, coupe ça. Il y a une camionnette blanche devant la maison, Sean. Je crois que c'est pour toi. Non, sans déconner, j'aime pas ça. Ça, c'est mon bureau. Bah, il est toujours architecte. Ouais, c'est déjà bien. Il va encore au moins une bonne nouvelle, quoi. Au moins, il ramène du pognon. Bon. Toilette. Y a rien aux toilettes. Me rincer le visage. Non, les mains. D'accord. Je vais venir prendre une douche après, donc je vais laisser allumer. Bon, il est où ton doudou, là, purée? Par contre, il y a une camionnette blanche devant la maison, et ça, ça me plaît pas du tout. Non, je vais pas voir, ça me fait peur. Où est-ce qu'il est, son ours? Bah, c'est ça, son ours. Je l'ai eu en main tout à l'heure. Bah, oui. Il semblait bien. On va lui ramener son ours. Mais par contre, l'histoire de la camionnette blanche devant la maison me perturbe beaucoup. Je vous avoue que là, c'est un peu bizarre. Merci, papa. Bonne nuit, Sean. Bonne nuit. Papa ? Oui ? Pourquoi est-ce que t'as l'air malheureux? Je crois que j'ai besoin d'un peu de temps. Pour redevenir comme avant.
Tu sais, c'est pas de ta faute ce qui est arrivé à Jason. Bonne nuit, Sean. Le bonne nuit, Sean veut dire qu'il culpabilise et qu'il croit que c'est de sa faute. Ouais, bah ouais, je peux comprendre. Bon, écoutez, ça fait 20 minutes, donc on va se laisser là-dessus, sur ce petit bonne nuit. On va laisser Sean dormir et on va lui faire un petit bisou. Et je vous fais également un petit bisou parce que je vous dis à très très bientôt. Ciao tout le monde. Bye bye.